Et bonjour, bonsoir, c'est la Flèche Sauvage, j'espère que vous allez bien, je suis avec L'archer, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. aujourd'hui on va se faire un petit no life challenge. Donc regardez les decks. On a fait un petit deck. En fait, je vous explique le truc. En fait, c'est un full sort. Donc le but c'est de descendre la vie des tours adverses, mais sans les tuer. On doit les tuer, on doit pas les tuer, mais on doit les descendre au minimum possible, donc c'est le but. Donc c'est parti. Attends, je vais ouvrir mon coffre épique. Ouais, vas-y. C'est pas un coffre à couronne. Je sais, mais j'ai un coffre épique. En fait, grâce à ce coffre à couronne, j'ai assez de pièces pour ouvrir un coffre épique. Ah oui, dans le clan. Dans le. Dans le magasin. Oh, nul. Très très bien. Ouais, ça passe. Du géant. Mais écoute, c'est parti. Pour 500 gemmes, il y Envoie a. moi le défi. T'as pas pour 10 000 Ah, t'as pièces. peut-être pas l'arène, je sais pas. Envoie le combat. 1v1 classique. Ok. Donc, on joue que des sorts, hein. Vraiment, c'est que des sorts. Crois que vous entendez le son de son jeu, mais ça. Enfin, parce que sur mon enregistrement, parce que lui aussi il enregistre comme je fais un mauvais enregistrement. Ça arrive parfois. Alors on enregistre tous les deux. Moi je te conseille de toucher les deux tours. Ouais, c'est vrai. Comme ça t'auras plus d'avance. Avec la roquette, c'est pas trop possible. Moi j'attends le miroir de la roquette à chaque fois. Ah oui, moi j'ai pas pensé. Ça fait masse dégâts à la roquette niveau 10. 400 470 sur les tours, c'est énorme. Le séisme aussi, il est assez douloureux. C'est une petite vidéo, ça va être assez court, mais bon, c'est sympathique. Je vais aussi vous faire une vidéo dans la journée là, mais on va pas sortir dans la même journée que celle-là. Bien après, je pense, mais je ferai une vidéo sur comment jouer aux cartes Pokémon, parce que voilà, il y en a beaucoup qui ont des cartes. Je vois qu'ils regardent mes vidéos, parce que bah il y en a pas mal qui ont regardé ma vidéo d'ouverture de booster et de coffret. Et donc voilà, je vous ai voulu partager avec vous comment apprendre à jouer aux cartes, hein. C'est simple, moi je sais y jouer, je joue avec mon frère et ma soeur de temps en temps. Bon, donc, je vais vous expliquer tout ça. Surtout ces derniers temps, on a eu des bonnes cartes qui vaut genre entre 5 et 35 euros. Bah oui, d'ailleurs, c'est dans la vidéo d'ouverture, on en a eu une bonne qui coûte bien, là, qui cote. Un petit look là, 6 mètres. Ouais, exactement. Qui fait bien plaisir. J'étais content. Alors, on peut faire ça. Toi, je suis sûr que t'as les bonnes idées en tête là. Non. On va mettre le miroir là. Alors, le truc, c'est qu'il va falloir réfléchir. Alors je Je pose pense que je ça. vais foirer parce que je vais pas réussir à imposer. 65. Ça fait combien ça? Ça fait 29. Alors je vais mettre ça là. Je vais voir ce que je peux faire. Ça c'est clairement trop. On va la mettre là. Le zap il fait combien? Il fait 48, donc on va pas le mettre. La boule de neige elle fait 48 aussi. Et ça fait 29. On va mettre ça à 29. Oh, on va être pas mal là. 4 PV. Oh la vache. Je suis dans le mal total. Bon, il y a encore la morsure 8 pour te rattraper, t'inquiète pas. Je vais essayer de cycler ma roquette. Bon bah je suis qu'à 21 sur ta tour. Ouais, tu peux pas faire moins là. T'es obligé de rester à 21. Malheureusement. J'aime bien ce mode de jeu. Bon, faut pas en faire d'autres trop non plus, parce que au bout d'un moment c'est un peu lourd, mais je trouve que 2-3 games de temps en temps avec un pote, bah c'est assez cool. J'aime bien ce mode de jeu, c'est sympatoche quoi. C'est vraiment pas mal pour s'amuser quand on sait pas quoi faire sur Clash Royale par exemple. Ouais, d'habitude on fait du 2v2 avec la technique du feu à squelette et tout. Et la roquette, ça fait beaucoup trop. Je vais mettre un séisme. Pim, poum, poum.
Alors 75 x 3, ça fait combien? 75 x 3. Bon, laisse tomber le calcul. On va mettre ça et puis voilà. Ok, 53. Je vais regarder, ça fait combien de miroirs de ça? Oh non! Oh non! Ta tour elle est à 53. Elle fait 53 aussi. Ah ouais, des rips. La tournade elle tape combien de fois? Deux, je crois. 24. Ah ouais, le problème c'est que si elle tape 3 fois, Oui, ben mais j'aurais je perdu. suis obligée de me mettre Je vais tester. dessus. 1, 2. Ah, tape 2 fois la tornade, bah faut que je la recycle. Go, go, go. Ou le gel miroir peut-être. 32, bon non, ça ferait un peu nul. Donc la tornade, ça fait 24 x 2, ce qui fait 48. Alors je vais essayer de mettre ça. Vas-y, on tente, qui ne tente rien n'a rien. Non! J'ai gagné. Non, t'as gagné. Yes. Ah, j'ai mal calculé. En plus, j'aurais pu gagner largement. Bah oui, c'est moi, mon maximum, c'était 21. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Vidéo. Ah. Waouh. Allez, salut, abonne-toi. Magique.